Oh bah dis donc, il est heureux, lui. Allez, c'est le grand jour. C'est un jour pluvieux, mais... On dit souvent mariage pluvieux, mariage heureux. Alors, je sais rien. Hop. C'est bientôt la récolte. Alors, faut m'expliquer, parce que moi, de base, j'ai des vignes de raisin. Pourquoi le raisin, il fait la taille d'un arbre? C'est quoi cette connerie? Depuis quand la vigne est un arbre? Ah tiens, les pommes, elles sont plus grosses là. Peut-être qu'elles vont tomber. Ouais, ça y est. Les pommes sont ready. Ils ont dû faire qu'un modèle d'arbre pour tous les fruits. Quand même. Ah ça y est, Pity l'a grandi. Alors Pity c'est devenu une poule ou... Attends, c'est qui ça? C'est Pity. Ah oui, Pity est devenu une poule, du coup, et pas un coq. Ouf. Il va s'en remettre. Je sais pas. Voilà, Libby. Hop. Tac. Nos petits animaux. Voilà. Bon, j'ai plus d'œufs fécondés que de place pour les faire féconder. Et d'ailleurs, point qui est super dommage, et ça je vous l'ai pas dit, parce que vu que maintenant on a nos deux adultes, brebis, vous voyez, je veux faire une saillie, bah je peux pas faire une saillie avec Pink Lady parce qu'on a déjà une naissance en cours. La naissance effectivement du petit de Milka. Et je trouve ça super nul parce que ça veut dire que bah Milka, il faut quand même attendre 20 jours pour qu'elle fasse son bébé. 20 jours dans le jeu, c'est-à-dire 2 saisons. Je vous rappelle qu'il y a plein d'espèces, de sous-catégories dans chaque espèce. Donc par exemple, les vaches, il y a plusieurs autres vaches. Donc si chaque fois tu veux un bébé, il faut que tu attendes 20 jours. Ça, c'est nul. J'insiste, mais c'est caca poudre. Autant j'aimais bien le côté, là vous savez, la vache elle a du bon lait que lorsqu'elle a un bébé, tout ça machin. Alors là, bon. Ça c'est pas bien. Hop, let's go. Pourquoi je sors? Je sais pas. Il n'y a même pas un petit œuf à ramasser. Je vais vous donner à manger, il en faut 4. Ah oui, mais il pleut dehors, je peux pas vous mettre dehors. Ah mais, d'accord, je vais donner à la main. C'est relou. C'est pas attendre. Premier jeu réaliste là-dessus. Ouais, j'avoue, non mais franchement, c'est vrai que c'est surprenant. C'est pas comme ça que ça fonctionne en général dans les jeux de ferme. Mais moi j'aimais bien là, ce côté effectivement lait plus ou moins de qualité selon la vache, tout ça. Sur son statut, est-ce qu'elle est enceinte, pas enceinte, ça fait combien de temps qu'elle donne du lait sans avoir eu de bébé, tout ça. Mais il faut aussi y penser moins bien. Enfin, on va vraiment lui donner la plume dans un placard comme ça là. Ok. Attends, ça vient. Est-ce que tu veux épouser un moukou moukou? Quoi que non, je crois que c'est juste pour dire on est amoureux. Hein. Est-ce que tu es amoureux de moi toi aussi? Salut, content de te voir. C'est pas pour moi si? Bah si. Ah, attends, vraiment? T'aurais une seconde à me donner? Il va te faire une beauté. Ah, on est sorti. Ce c'est plus romantique. Il s'agit donc d'une véritable plume bleue, hein? Et tu penses vraiment que je suis l'homme pour toi? Juste pour que tu saches, je prévois toujours de travailler à la ferme de Vesta. Ah. Mais dis pas oui! Laisse-toi pas faire!
Tu as fait un boulot incroyable sans l'aide de personne. Mais à partir de maintenant, tu pourras compter sur moi pour t'assister. Je vais faire un double emploi? Mais c'est... Mais c'est tout? Il y a même pas eu un bisou? En plus, il travaille encore chez ma concurrente? Non, faut pas dire GG, là. C'est nul. Tu sais, il vient encore là? Bah ouais. Non, je peux même faire des achats, non. Je suis là pour ramener ta peau de fesse à la maison, là. Je crois que je sais pas ce qu'est-ce qu'on est. Non mais me coincez pas, c'est un traquenard. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas tous les cœurs avec lui? Mais non, il a pris ma plume. Normalement la plume c'était ce qui liait deux êtres. Je vous avoue que là je me sens pas très liée moi. Je sais pas ce que vous en pensez mais... On a exactement les mêmes dialogues. On va continuer à lui faire des cadeaux parce que visiblement. Là. On n'a pas le choix. On va voir. Peut-être qu'il y aura une cinématique, du coup, demain. Un truc. Sinon. On n'a pas regardé vers le calendrier d'automne. Il est vrai, ça. Temps d'organiser la cérémonie. Ouais. Le jus de fruits épais. Ah d'accord. C'est un concept. Ok. Peut-être que je recommande à manger pour les animaux aussi. Bon, Roger, on peut plus lui parler. Il est cloîtré dans sa niche. De la nourriture. Trente-neuf, c'est bien. Il n'y avait rien dans la boîte. Vas-y, je dors.